Je me mets en vue normale. Bonjour à tous, bonjour à Cro-Magnon et à Rich Cool. Salut les copains. Salut. Salut à tous. Enfin ensemble, 12e épisode, j'espère que vous allez bien. Et pour l'instant, petit pitch d'intro pour expliquer. Bon, vous le savez, on a du mal à se voir en ce moment, c'est pas toujours évident. Du coup, les épisodes vont être réduits à 30 minutes pour l'instant, ce sera plus simple. Moi, je continue ma formation, j'ai pas facilement des disponibilités. Puis il fait beau, on est en confinement, hein les gars? Eh oui. Voilà, c'est tout est dit. Bon, Cro-Magnon, ta guerre avec Chaka, on reprend? Ouais, ouais. Et enfin, là, j'échange des diamants, j'ai vendu du diamant pour de l'or sonnante et trébuchante. Alors, où c'est qu'on en est, là? Eh ben, tu es en ligne de front avec Kwadukuza. Ah oui, c'est vrai, mais je crois que j'avais prévu de lui tataner. Ah oui. Il y a le campement militaire qui te démonte un peu, hein, j'ai l'impression. Oh, il est magnifique, le campement africain. Loyauté dans 8 tours. Ah oui, c'est vrai qu'elle est prise, celle-là, faut la reprendre. Et il y a l'autre là-bas encore. Celle du sud, ouais, dans 22 tours. Une petite révolte. N'Gazar Gamou, elle est aussi. Oh la vache. Ah, mais je vais faire Erevan. Ok. C'est quoi N'Gazar Gamou? C'est une cité-état? Je sais pas, c'est. C'est une ville rebelle, ça? Elle a été prise, ouais, à mon avis, il l'a prise et elle s'est. Elle s'est révoltée, comme l'autre. Ah non, c'est une cité-état, c'est une cité-état. Ah, j'ai un doute, hein, c'est un peu. C'est une militaire, c'est une militaire. D'accord. Bon, on s'y retrouve. Comment tu peux jouer, s'il te plaît? Alors, oui, il faut que je passe mon tour comme Cro-Magnon. T'as bien raison. Du coup, je regarde les synchros. Inspiration, c'est fait. Déclaration de guerre, tout va bien. Je regarde ma cité-état parce que moi, j'attaque la Valette. Et je suppose que tout est fait. Ouais. Bon, bah écoute, hein, je passe. Les abonnés, évidemment, si vous voulez avoir des noms de soldats, manifestez-vous parce que j'ai dû perdre ma liste entre-temps. Et puis voilà. 30 minutes, 12e épisode, c'est noté. Et il y a encore un mouvement, désolé. Qu'est-ce que j'ai? Une caravelle contre... Ah bah je vais perdre si je me tape ce machin là. Je suis en train de fuir un bateau, moteur. Ça y est, on passe le tour les copains. Ça c'est une bonne chose. Oh. Ah oui, on arrive au bout de la carte là. Ah mais j'allais lui prendre sa capitale moi aussi, ouais. C'est ça que je voulais faire. Ah oui, on va prendre Guadoukakuza là. Carte inversée, le que je voulais faire. Ah non, c'est Evan qui arrêtait pas de me harceler, je crois. Je sais plus. Alors, cette carte est très intéressante. J'ai l'impression qu'il y a des gros continents au bord du pôle, vraiment sur les gauches et droites. Et autrement, c'est que des îles partout. Vraiment. Et niveau empereur, hein. Évidemment. Eh oui. Eh merde. Ah, pourquoi? T'as attaqué le Canada. J'ai la musique, moi. Ah, c'est mieux. Ah. Allez, fin de la sous-dienne dans 5 tours. Il me manque, ouf, 6 points. Ouf, alors... Oubliez pas de vérifier les fonctions, hein. Il y a encore le dépassement ultra rapide. Ouais, je regarde surtout où je vais coloniser un peu. Non, et où ça déjà marche. Qu'on peut changer ça? C'est le personnage en bas, là, qui ressemble à une peinture hollandaise. Là, il me dit, par exemple, que mon gouvernement, j'ai quelque chose à faire. Ok, c'est bon. Mais les déplacements sont bons, hein, il n'y a pas de souci. Alors, comment que je suis, moi, là, en bas? Ah, il y a une catapulte. Des mousquetaires. Tout est vu. J'ai abîmé ma cavalerie. J'avais pas un camp de village à côté à voir, moi, attends. Je peux venir te soigner, là. Qu'est-ce qu'on a d'ici? Allez, on va déplacer explorateur. Bon! Est-ce que je sais encore jouer à Civilization 6? C'est ça la question, Richcool. Bonne question. Tu fais des parties solo à côté ou quoi? Ou tu fais que du Satisfactory en ce moment? Non, je fais Satisfactory à fond la caisse. Non. Moi je bombarde, moi je bombarde. Ah bah j'irai voir. Alors, j'ai un espion de dispo. Ouais! Ben on va l'envoyer. C'est quoi la plus grosse ville? C'est encore Tom. On va confirmer chez nos voisins du nord. Tu peux voir un petit. Veux-tu voir un peu de combat? Oui, sûrement des barbares, je suppose, sur ton continent. Non, c'est beau. À cause des forêts, je peux pas attaquer tout de suite. Ah bon? Bah, tu vois, fausse alerte. Je sais pas, peut-être que Cro-Magnon, tu tapotes un peu l'ennemi africain.
Ouais, je vais bombarder, je pense, un peu, ouais. La catapulte, le camp, ouais, c'est... Oh, t'es militairement armé, toi. J'ai pas encore les bombardes, moi. Le camp, j'ai déjà commencé à l'attaquer, ouais. Ouais. Là, je vais aller lui bouffer ton mousquetaire. Bah, je regarde un petit peu l'action. Et puis, on va venir là pour temporiser un peu les... Yes. Les bombardes, et on va venir là. Et on va se soigner. Oh, soigner. C'est bien. Et puis voilà. Très bien. Je retourne de mon côté. Moi j'ai pu avoir un quartier industriel à plus 3. Ben moi je pense au volcan, mais je vais surtout essayer de le bloquer. On approche les troupes. La tour de siège. On fusionne. Tu as fait un combat de ce mois-là, les gars, hein, je vais voir l'action. Pour l'instant je me rapproche de la valette avec mes catapultes. On peut pas encore. Pourquoi les bombardes? Mais non, dans 5 tours. Ah et mon mousquetaire est à proximité de l'autre, c'est vrai, c'est chaud. C'est chaud. Les émissaires. Oh ouais, Cro-Magnon, n'oublie pas, fais gaffe à la ville de Nando-Tascusapa, elle va bientôt changer de loyauté. Attends, c'est un canon, Coco. Laquelle? Nando-Tascusapa. Au nord de Erevan. Ouais, mais elle est déjà changée, elle est déjà libre en fait. Je vous signale que l'Égyptienne elle veut m'acheter du fer. Donc 2 pièces d'or par tour pour le libre passage. Désolé, ma belle, mais c'est pas assez cher. Voilà, ah, je peux faire un roulement de troupes, c'est bien. Ça devrait aller là. Je passe mon... Ah, je suis collé au volcan. Faudrait pas que le volcan pète. De l'argent. Je suis dans le commerce, ça, c'est bien. Je peux faire du commerce avec Rome pour 18 pièces d'or. Ah bah oui. Je peux pas acheter... J'ai vu la ville au nord de Ostia comme elle est étrange. Au nord de où? Ostia. Ah, Ostia, la baie de Fondi. Oui, bah ça... C'est un tout petit endroit, un peu comme en Norvège. Il y a peut-être un event si tu vas au cœur du pôle, non? Personne n'y a été encore. Je ne sais pas. J'ai déjà envoyé quelque chose, puis j'ai rien eu. Par contre, le commerce, ça commence à être juteux, nous deux, Richkool. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, je peux pas bombarder. T'as combien plus, hein. Ah ouais, putain, 280 tu fais par tour. Ah ouais. Le Richkool, il s'envole. On a fait une alliance commerciale ou pas, nous deux? Non, nous, on est... Ouais, une alliance commerciale. Unité, personne à upgrader. Si j'ai un lancier, tiens. De toute façon, Richkool, il est pété, normal, il est tout seul. Il est tranquille. Ouais, ah oui, complètement lui. Il est bien. Ok, personne d'autre à upgrader. Il me dit d'aller voir les gouvernements et j'ai presque fini mon tour. Pourquoi? Je suis une république maritime, oui. On n'a pas la reste pour l'instant. Avec République Maritime, l'avantage c'est que t'as 10% d'or dans toutes les villes où un gouverneur est établi. Ah. Écoutez, bah je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait de mon côté. T'as fait ton intro, j'ai même pas entendu. Ouais, j'avais dit 30 minutes l'épisode, le 12ème. Ah ouais, je m'en On reprend fait. Nos marques et on est content de vous retrouver tous. J'étais tellement concentré. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé si tu faisais du Twitch ou pas, je sais que t'as du mal. Non, là j'attends le disque dur, ouais, la semaine prochaine, ouais. Je vais réinstaller le PC et tout. T'as pu expliquer à tes viewers, du coup, ton petit souci ou... Non, pas trop, mais c'est pas grave. Voilà, c'est l'occasion, si tu veux. Ça reviendra. Voilà, ils savent, de toute façon, les derniers lives, ils étaient tellement pourris que... Ouais. Voilà, avec les lags et tout. C'est pas la peine, quoi, à un moment, c'est pas la peine. Quand ça fatigue, faut faire gaffe, ça crame. Pour ce qui est de la map, j'ai pigé le truc. Vas-y. Il y a une petite partie vers le centre, c'est de la glace. Ouais. Puis il faut aller plus haut que la glace pour avoir le reste du terrain. C'est ça, c'est le pôle qui est au milieu de la carte et le reste des continents sont de l'autre côté, ouais. C'est comme si la carte, le globe terrestre, on le voyait du niveau du pôle nord. Bon, le problème, c'est que moi, je suis tout petit, je vois mon voisin du nord, mais c'est 2, 4, 6, 8, 10, 11 villes. Ouf. Ah, ils sont canons, mais bon, je fais diversion avec les éléphants.
Ouais, je vous annonce que c'est moi qui ai la plus puissante armée, une, deux, trois. 783 pour moi. Crow, 861. Wow. Ouais. Mais je te dis, si tu attaques le Canada, tu te feras défoncer. Je sais, c'est pour ça que je me prépare aussi. Voilà. Ok, ça, je vais défaisser. Ok, ok. Les gars, je me réserve Hong Kong, ok? Oh, ok. Alors. Attends, il m'abîme bien là, je suis pas content moi. Si la catapulte fait pas de dégâts, je recule. La villette s'attendra. Combien de dégâts? 9. Quasiment rien. Allez, repli. Repli général. C'est pas la peine de se fatiguer. Ouais, ouais. Bon, on va replier ça après. À la limite, si je tac. Des tacs majeurs. Ah oui, je fais aucun dégât. C'est pas terrible, pas terrible. Piller la route commerciale, oui. Voilà, ça c'est fait. Je vais attendre des bombardes. Tant que j'ai pas les bombardes, c'est la mouise. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu les as, toi. Bah, je bombarde son camp, moi. C'est peut-être pas idiot de faire ça, ouais. Alors, ça c'est intéressant à explorer. Ah, mais Erevan ne m'attaque plus. La map est fermée, on peut pas faire le tour, j'ai l'impression, j'ai un doute là. Oh. Du coup, bah nous on va coloniser. Hein. Et hop, ces arbalétriers, des pops. Putain, son campement là, j'ai trop envie de l'attaquer, mais je vais me faire tuer. Putain, là je serais dans la forêt. J'ai des mousquetaires qui sont là. Là j'ai de la def si je me mets là. Ouais, tant pis, je me mets là. J'ai de la def. Bon. Eux, ils vont venir ici. Oh oui! Oh oui! On va attaquer? Oh dommage, je peux pas attaquer. Production quand même, des villes. J'ai un coup. Pourquoi Ungungund Louvu, il veut se révolter, t'es sérieux? Comment ça? De cette blague. Je vous signale que les faveurs diplomatiques ont perdu de valeur. Elles valent plus rien? Trop de marché? 3 pièces d'or partout. Ah bah tiens. Pour 10 faveurs diplomatiques. Bon. Est-ce qu'on a un bateau qui bombarde? Non, hein. Puissance de combat. Ah si, attaque à distance, la 4RM. Portée 1. Ah ouais, c'est pas terrible. Les gars, oubliez pas qu'il faut. Moi, dès le début, j'ai mis beaucoup dans la recherche puis dans le négoce. Ah, bah. Ah, mais on est pas doués, nous. Nous, on est en guerre, là, déjà. Ouais. On fait ce qu'on peut. J'aimerais. Je vais attendre la bombarde. J'ai 4 tours à attendre. Je vais faire de la gestion comme vous. Ah, il veut faire la paix. Il me donne des pièces d'or. Ah. Bah, accepte. Pour y profiter après minerai ton armement. Non, non, je vais le défoncer, moi. Toi qui décide. Ah, il a une pénurie de fer, mon voisin du nord. C'est intéressant, ça. Patna va pas bien, pourquoi? Habitation, oui. Il te fait gérer. J'ai encore une ville à gérer, Richkul, mon pauvre, attends. Ça, ça me donne de l'or. Continue à envoyer nos marchands entre nous, compagnons, hein. Ouais, ouais, j'ai déjà accepté, ma poule. Non, pas comme maintenant, je vous attaque à mon. Pourquoi il a pas. Ah, mais j'ai passé mon tour moi, pourquoi ça marche pas? Bon, bah attends, je passe mon tour. On verra après les problèmes de logement.
Vu la techno qui m'intéresse, de toute façon. Enfin, Tekamon passe son tour. Mais oui. Tu vois, tout vient à ta point. Mais t'imagines si on jouait à Stellaris, on fait pas de pause, on avance en x1 ou x2. Je serais déjà perdu, moi. Oh, tu ponds des colons comme des poules, toi. Ah, c'est mon plan de campagne que j'aurais dû mettre là, putain. Ok, bon, bah moi je m'étale. Est-ce que j'ai perdu qu'un? Non. Non, mais c'est beau, j'ai même eu de la promo, mais c'est beau ça. Vas-y, bah je vais venir, moi je vais venir. Bon, maintenant, quand tu veux attaquer, avertis-moi, hein. Ah, bah je vais attaquer là, après. Dès que c'est à mon tour. Et foncer. Ouais. Bon, allez, je suis chez toi, Cro. On va regarder cette bataille. Il y a du monde hein, chez toi. Oh, punaise. Ah, oui, il y a du monde chez moi, c'est L'Indonésie qui est rendue chez toi, c'est quoi ce délire? Non. Ah, oui, bon, c'est peut-être ce petit. Les petits... apôtres là. Ouais, ces petits apôtres. On rigole. Alors, déjà, toi, c'est une erreur que tu viens de faire là. Voilà. Déjà, le mousquetaire, il se. Qu'est-ce que c'est... Ah oui, tu l'as pilonné dans l'eau, c'est bien ça, c'est un voilà. cadeau. Voilà, déjà ça c'est cadeau. Ensuite ça, ça va être cadeau pour moi, ça va bien le faire chier. Il prend son camp. Voilà, ça va bien le faire chier ça. Oh là là. Ah, toi je vais être safe. Toi. Voilà, ensuite on a lui. La bombarde, le nerf de la guerre. Je me suis trompé de bouton. On a lui. Attends, on va lui prendre le camp. J'ai envie de tenter. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Merde. Moi je le sais maintenant, c'est pas une moins bonne idée. Moins un. La cavalerie, c'est vrai que c'est pas évident. Ah, il est à moi. Attends. Lui il est là. Et lui il est pas très bien là, mais il est bien protégé. Et il a une promotion. Ah, bah si, c'est beau. Ton cavalier au nord du camp, il va me parcourir. Oui, d'accord, t'es du bol. Voilà. Et lui là-haut. Ah, si, lui là-haut, il est mal barré par contre. Lui, là. Entre les deux cités, il peut tenir. Ah encore, non, peut-être. C'est bon. Lui, je peux aussi le. Hop. Ah, bah tu vois. Cuirassier, il est bien. Parce qu'il te propose quoi? Ah non, mais je me suis trompé, c'est pas moi le vert. Oh putain, bref, j'ai fait de la daube. Ok, bah écoute, pour ce tour-là, de toute façon, j'ai tout avancé. Ok. Je vais voir de chez moi ce que j'ai fait de beau. Les bombards là. Je les approche, mais je suis trop loin. Là, je suis trop loin. Nous, on recule, grave. On va avancer les canons de campagne là. Au moins, Ungun. Goon, il veut pas me l'attaquer au moins, ça c'est bien. J'ai pas de changer de nom? Quoi? Mais non, c'est pour tes camons. De quoi? Hein oh, Gun Goon, là, tu changes de nom? au moins, homme Gun Goon, ça devrait suffire. Hop. Enlève Glowview, ça va être parfait. Mais non, mais on bafouille à chaque fois dessus, ça me fait marrer, moi. Un serment interrompu avec l'Empire Khmer. Bon, c'est pas grave ça. Ah, il aime bien que mon voisin que j'ai de l'argent. Bah oui, j'ai de l'argent. Bah. Ah, je peux faire un truc ici. Ok, bon. Il semblerait que là, c'est le top. Je vais faire un colon encore bientôt ici, c'est bien. Bah écoute, Richko, ce que je te propose, moi. Est-ce que comment? Oui. Ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est que t'as le moins de villes que nous, puis ça prend plus de temps à jouer. Parce que j'ai peut-être beaucoup d'unités. Ah, ça doit être ça. Ah ouais. Puis quoi, tu voulais me proposer? Non, mais je me disais que là où tu as colonisé avec Putoli, la mer intérieure, là où tu es, tu es tranquille. Putoli, ouais. Je te laisse tout coloniser dans le coin, je t'embête pas. Moi, je vais à droite de mon continent. Mais si tu veux, tu peux me lâcher, hein. Non, je fais une nouvelle ville, là. Bienvenue à Delhi. Ah ouais. Quand je fonde une ville, j'ai un bâtisseur, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, t'es bien, toi, t'as bien appris ton. Ça y est. Tu peux même encore faire une île là où il y a le blé, une ville là où il y a le blé, après, à côté de Mahendra Parvata. Ah oui, mais... j'ai toute la place que je veux maintenant. Ouais, je t'es vais bien, monter là. En puissance. Ouais, t'es bien là. Je rigole plus là. Ah bah là, franchement. Et il m'en a fait suer des misères et tout, mais. Ouh la vache, des arbalétriers dans le coin. Pourquoi? Bah, faut que je me dépatouille de ce Zoulou là. Et après, je serai bien. Par contre, j'avais oublié que Siv était aussi beau.
Chiant, mais beau. Allez, obtention de sources d'infos. Déjà que je vais pouvoir faire le nationalisme là dans 6 tours, ça va bien changer aussi. Ah, pour ceux qui découvrent Civ 6, c'est vrai, l'espionnage, c'est en deux étapes. On pose d'abord l'expansion d'une ville, ensuite on dit obtention de source pour avoir un bonus supplémentaire, sinon on a des chances de se faire attraper. Je reprendrai ça avec vous tout à l'heure. En attente de tes commandes et de riches couleurs. Eh ben, monument, grenier, rempart, bâtisseur. Oh, je suis content, une nouvelle ville. Et du coup, mes troupes ne peuvent plus... Prochain tour, voilà. Prochain tour. Catapulte pour reculer encore un peu. Qu'est-ce qu'il me reste? Mes ch'tites n'éléphants. T'as rien de faire la tête de la tête brûlée, toi là, t'es comment? Je vais cramer, oui, ses ressources un petit peu, ça m'amuse. Mais j'arrête pas dû faire ça par contre. Hop. Ton pauvre éléphant, il va se faire massacrer. Ouais. Il y a un canon dans le quartier militaire. Et il me reste plus qu'un bâtisseur à bouger sur une île. Est-ce que j'ai quelque chose à faire dans le coin? Pas encore. T'as pas de cœur à sacrifier un éléphant pareil? Non, mais je m'inquiète pas. Je sais bien que l'habit d'un éléphant vaut plus que l'habit d'un soldat. C'est vrai. Surtout okay. Avec l'attitude de ce temps-ci, là. Eh, en attente de chromer. Ah bah oui, j'avais relancé un peu, moi, t'attendant, monsieur. À la limite, tu peux attendre 2 secondes, si tu veux. On a passé le tour. Je peux acheter un nouveau marchand. Le pognon, je suis rendu à 167, 168 par tour. C'est bon, là, c'est très bon. C'est bien, faites des sous, puis donnez-moi. T'as des pâtes, qu'est-ce que moi, t'as à moi, je vais avoir besoin de sous, moi, pour le buter, l'autre. Ben, fais-moi un marché, rien, j'en appelle à la fibre, pas à la fibre amicale, tu vois, je veux dire... Ouais, mais justement, fais-moi un marché. Attends, Rich Cool. J'ai rien à vendre, moi, je suis un pauvre. Il faut soutenir sa guerre. Putain, il est mort, oh, il m'a tué. Mais moi, j'ai besoin d'argent pour payer mes soldats. Mais t'as plus d'argent du tout, t'as tout claqué. Est-ce que j'ai acheté des un centre commercial, j'ai acheté un port et tout ça, tu vois. J'achète des bâtiments qui améliorent la productivité de mes villes. Ah, c'est bon, là, tu l'as eu celui-là, il est con. Il se suicide quand même, le Zoulou, hein. Ouais, un petit peu. Bon, ouais, mon cavalier, il est mort quand même. Ouais. Après, le cavalier à droite d'Erevan, il peut attraper un ouvrier au sud, hein, peut-être. Ah ouais, t'inquiète. Lui là-haut, là, il va venir. Là. Moi, ce qui me donne des problèmes, c'est que j'ai pas de religion. De toute façon, je vais lui bouffer son, ça va le foutre dedans, ça. Bah, c'est pas même mal. Il y a l'autre camp à côté. C'est une guerre intense depuis le début de la guerre, mais t'as réussi à coloniser à gauche. T'as des ressources. Oh, t'es bien. Côté chevaux, je suis au max. Ouais, mais ça me ralentit de ouf. Hein. J'ai pas encore de salpette. Dans 2 tours, les bombardes, dans 2 tours. Allez, on regarde Cro-Magnon, l'action. Alors attends, j'ai une promotion, c'est lui. Mais non, pour l'instant, toi, tu attaques. Ouais, pour raser ce camp. Tu attaques. Ah, il descend bien. Attaque. Toi, tu... Voilà, toi, GG. Tu sais... Ou alors le cavalier, plutôt. Non, il a pris une claque, ton cavalier, la dernière fois. Attends, on va faire ça. La bombarde en bas des canons. Non, c'est en bas des canons, il y a un truc, ouais, là, encore. Il peut pas tirer. Ah, c'est bon. J'ai pris le camp. Ah bah alors maintenant le cavalier la catapulte hein. Ou l'autre cavalier au choix. Attends, est-ce que lui il a déjà... Putain, je peux faire un seul mouvement, oh, super. Ah, t'as traversé le fleuve, ouais. Il me reste plus rien, eux ils ont tous tiré, eux ils ont régène. Fais gaffe à la ville au nord hein, pour ton cavalier. Ça a l'air d'aller. Ah, il a fondé une ville là-bas. Ouais, notre Wengui. Ouais mais il me fait rien. T'as plein la ligne de tir de la ville. Il est en panique, je pense pas qu'il ait beaucoup de villes en fait. Mais j'ai peur que si je vais lui bouffer son truc, t'es en défense 3. Ah non, j'ai la même. Ah non, défense 6. Ah, je suis en 6 de défense là. C'est greedy, si je vais lui bouffer sa catapulte, je suis mort. En fait, c'est Cléopâtre la meilleure. Hein. Non, je vais rester là. Sauf en militaire, mais Cléopâtre est un problème. Hein. Je vais rester là. Pour la science et pour le tourisme, la vache. Est-ce que je peux pas faire ça? Peut-être à 1400, les copains. Ok, on va faire ça. Je réfléchis. Pour l'instant, je m'étends. Et quand j'aurai assez de force, je rentre dans le mou, peut-être. Surtout quand j'aurai la bombarde. Ah, et un barbare en moins. On va faire ça.
une dernière action. On va faire ça. Pétrin. Ah ouais, t'as ramené les troupes, t'as raison. Ah mais t'as un camp qui est à côté, fais gaffe, hein, il va tirer dessus, t'es dans l'eau. Le ah merde Dundi. Le camp d'Ulundi. Là j'ai pas fait exprès ce mouvement. Non mais ça j'ai pas fait exprès ça. Ouais. Ah putain. Siv est chiant pour ça. Bah, s'il est malin, s'il est pas malin, il le fait. Bon, je peux rien faire de plus, donc on va retourner. Ambassade avec petite copine là, vas-y viens Gia, viens, je peux le faire moi, non c'est bon. Faire un marché, tiens, est-ce que tu veux quelque chose? Des tortues. Oh oui, je suis sûr que tu veux des tortues. T'as plein de sous en plus. Hop, mon troupe. Voilà. Voilà. Tu sais qu'il y a des sous encore, tiens lui là, pour des cœurs. 4 pièces d'or partout pour des tortues, c'est cool. Faire un marché, tiens, pour les... Qu'est-ce que tu voudrais toi? T'as déjà des tortues. Bah non, c'est pas... Je vais loyer un peu des volcans. Bon. On se retranche pour l'instant, on réfléchit pas, on régène. On régène. Ah ouais, ah ouais, t'as me rejettes du doigt comme ça, sale type. Celui-là. C'est un sale type celui-là. Bon, je suis au max pour l'instant ici. Ah, t'es prêt à mettre des sous? Oh, 149 pour des tortues. Ah bah ouais, vas-y, je te donne. Allez, merci les gars. A plus. Ouais, c'est la gangue de la Santa pour toi, Comagnon? Ouais, ouais, mais je fais des sous, moi, ça va. Je fais... La guerre du millénaire. Je fais des sous. Ouais, moi, je pense que je vais finir la game en guerre. Hein. Au final, je voulais faire une scientifique, mais c'est mort. Voilà, presque prêt. Je vérifie là. Okay. Mais si ça, si quoi, douze, si attends, quoi du, enfin si sa ville elle tombe, je peux lui prendre sa capitale en dessous après, parce que j'ai la deuxième, j'ai Ungundlovu qui peut aider pour la capitale. Mais il faut que sa ville elle tombe. Et là, il est mort. Et là, il est mort. Voilà. Je vais faire un mouvement de troupes. Pas pizza pour prendre Erevan en même temps. Et pour l'instant, je suis plus en guerre avec Erevan, donc ça va. Alors, j'ai des propositions. On m'offre de l'encens contre des faveurs. Non. Ouais, attends, j'ai de la diplomatie. De l'ambre contre des faveurs. Ah, tout le monde veut ça? L'américain, non, le canadien, c'est... Ah, c'est à cause des riches cool. Elle est vendue. Au revoir. En attente de Cro-Magnon. Ah non. Non, je rigole. Ah non. Ah non, hein. Ah si. Ah non, hein. C'est, je pense que c'est parti pour être le dernier tour. Il reste 5 minutes. Comme tu veux. Ouais, les épisodes... Ouais, non, mais comme ça, si vous voulez, ça fera plus de contenu pour tout le monde. On assure au moins un épisode par semaine. J'ai encore information jusqu'au 10 avril. C'est compliqué. Le confinement. Chez moi, le PC est très pris. Hein. Pas que pour les devoirs. Donc, pas le choix. Bon, il me fait gaffe, hein, ils disent qu'ils font ça pour les devoirs, mais est-ce qu'ils font vraiment ça pour les devoirs? Alors franchement, c'est le meilleur moment de leur vie, on n'a jamais connu ça, c'est chez les cours pendant 4 comment, mois. Notre alliance est rompue, il va falloir checker ça au prochain tour. Moi j'aurais été content, hein, franchement, avec le confinement. Ah bah tu m'étonnes. Oui, Rich Cool, qu'est-ce qu'il y a? Je te signalais qu'on a une alliance de rompue tous les deux, il va falloir régler ça. Ah oui, c'est pas dramatique. Ah merde, il m'a tué quoi? C'est bien une alliance commerciale. Ah, il m'a tué mon mousquetaire à distance, ce salaud. C'est pas grave parce que je vais y mettre une bombarde, ça va être encore mieux. En effet, ils ont failli tuer mon éléphant, bande de salauds. Allez, boum boum la catapulte. Bon bah comment que je vais dire qu'on va commencer à prendre le siège, qu'est-ce que... On va se mettre là. On va se mettre là. Ah mais le camp d'accord ouais, il est complètement rasé. Ah merde, je vois pas son camp là-bas. Ah oh, putain. Prochain tour. Oui. Gouverneur, qu'est-ce qu'il y a avec le gouverneur? C'est laquelle? C'est Liang hein, qui est doué pour avoir des poissons partout. On va la nommer. On va l'installer à Santinelus. En parlant de cette ville-là, je viens d'envoyer un marchand 17 pièces d'or partout.
Oh, il est beau avec ses plumes. C'est qui, c'est la steak? Ouais. Oh là là. Je peux plus là, bouger. Bon. Riche cool, tu me proposes quoi? L'alliance. Évidemment, on se fait du blé un max tous les deux. Ce qui me fait penser que le marchand, je l'ai pas acheté. Alors. On va améliorer les bombardes, hein. Allez, c'est parti. Bah oui, c'est vrai que moi aussi j'upgrade les bombardes et après je t'enverrai du fric. Parce que là, je vais avoir du mal à passer avec sa Erevan de merde là. En fait, il faudrait que je prenne Erevan. Hein. Il a raison, Riche cool. Hein. De quoi? Bah, faudrait que je prenne Erevan parce qu'en fait ça me bloque le passage pour aller lui prendre ses villes. Je peux pas passer avec mes troupes. C'est une zone stratégique, Erevan. Ouais, ouais. Peut-être faire la paix avec lui s'il le dit. Tiens, attends. Chaka. Ah bah, il veut faire la paix. Bah, fais la paix avec lui, prends Erevan. Et il me donne 47 pièces d'or par tour. Pendant 30 tours. Ah ouais, vas-y, j'accepte. Et je vais me faire Erevan. Vas-y, accepté. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, comme ça, il va pas m'attaquer. Mes troupes, elles sont C'est bon. Toutes là, c'est très bien, sauf lui. On va venir ici. On va attaquer Erevan. Défense, plus 7. Pas négocier. J'ai pas ton génie militaire, Cro-Magnon, hein. Fais gaffe à ce que je te dis. Ouais, ouais, t'inquiète. Qui c'est qui pleure? T'inquiète, je vais régénérer un peu déjà. Nelson. Nelson est à côté, tout va bien. Hop. Alors, mes nouvelles cités. Du coup, j'ai de la défense. Non, je n'ai pas de défense. On va se faire un arbalétrier. Et du coup, on va en profiter, nous. Je t'ai envoyé une demande, t'es comment? Ah. Pour l'alliance, j'ai vu, hein. Si c'est ça qui t'inquiète, y'a pas de problème. Je vais essayer de faire encore des colons, je vais me servir de mes nouvelles colonies dans l'océan. Voilà, on verra après. On a peut-être un tournant, peut-être. Bonjour. Je suis en train de revoir toutes mes unités. Oui, bah quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'avais envoyé là-bas. Ouais, bah ça va marcher. Confirmer la plantation, oui. Je sais pas, c'est bizarre, mon espion, il a bugué. Oui, va être superbe. C'est vrai que je suis un prince indien, moi, je développe ma communauté quand même. Eh oui, on peut pas aller de l'autre côté de la carte, c'est cool, c'est bien ça. De quoi tu parles? Je suis arrivé au bord de la carte à droite, je voulais être sûr. On peut pas faire le tour de la map. C'est bizarre. Ouais, non, mais c'est bien, comme ça je suis tranquille pour coloniser, je suis pas embêté par des voisins. Ah, c'est une carte plate et non sphérique? Ouais. C'est ça, je cherchais le terme. On est sur une terre plate. Ouais. C'est pas négatif. On fera du painting. Je t'avais habitué avec une carte sphérique. Alors. Ah, et en plus, y'a rien là. Y'a juste une ville indépendante. Bon, moi je suis rendu à 131 pièces par tour. Bon, bah c'est bien. 298,8. Ouais, j'arrive, les gars, attendez, faut juste que j'enlève. 300 par tour, là. Mais comment tu fais? Pourtant, Cro-Magnon, il a pétra. C'est simple, j'ai mis un quartier commercial dans chacune de mes villes. Ouais, mais pétra, c'est pour le désert, c'est tout. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai passé le tour, le temps que ça se fasse, on vous dit merci. On vous dit bonsoir. Bonsoir à tous. Et au prochain épisode. Tchuss tout le monde. À plus tard. Pas faire un autre là, je suis tout chaud bouillant.